profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Mon colocataire est sous la douche depuis plus de 4 heures. Je suis rentré à la maison vers 23 heures. La soirée tardive au bureau s'est transformée en une soirée encore plus tardive au bar. J'ai bu environ 4 verres et je suis fatigué, prêt à m'endormir lorsque je passe la porte en trébuchant. Je m'allonge sur le canapé. J'attrape mon sac de joints et j'en allume un pendant que j'ouvre mon ordinateur portable. Je suis en train de regarder un film sur Netflix, à deux doigts de m'évanouir, quand j'entends la porte d'entrée s'ouvrir. Je me redresse et tourne légèrement la tête, juste assez pour voir mon colocataire entrer. Il accroche sa veste dans le placard, ne dit rien et marche lentement vers sa chambre. Ce qui est assez normal. Je vivais avec lui depuis environ 3 mois. Assez longtemps pour que j'ai compris la plupart de ses habitudes. Ce type ne parle vraiment pas, à moins qu'on ne lui adresse la parole, ce qui était loin d'être un problème pour moi. De son côté, il s'occupait généralement de tout, sans jamais causer de problème. Je n'avais vraiment pas à me plaindre. Je retourne donc regarder Netflix, et environ 5 minutes plus tard, j'entends la douche de sa chambre s'allumer. Une fois encore, rien d'étrange. À ce stade, je continue de regarder mon film avec les yeux à moitié ouverts, peut-être à 1 ou 2 minutes de m'évanouir. Je me souviens m'être réveillé dans l'obscurité, la tête me faisant mal, la gorge qui brûle comme l'enfer. Je me suis redressé lentement, attendant que l'état de somnolence se transforme en quelque chose de gérable. Une fois que ce fut le cas, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai regardé l'heure. Je me souviens qu'il était environ 3h30 du matin. J'étais affamé et je me suis levé. J'ai commencé à marcher vers le réfrigérateur. C'est alors que je l'ai remarqué. Un bruit doux mais omniprésent en arrière-plan. Il m'a fallu quelques secondes pour reconnaître ce que c'était. La douche. Soudain, les événements de la nuit dernière se sont mis à défiler dans ma tête. L'alcool au bar, le retour à la maison, l'ordinateur portable, le canapé, mon colocataire rentre à la maison, la douche qui s'allume. Je suis resté là un moment, essayant de comprendre ce qui se passait. Peut-être qu'il est allé se doucher et qu'il a oublié d'éteindre la douche. Je secoue la tête, ce n'est pas possible, me suis-je dit. Peut-être qu'il a glissé et qu'il est tombé. Réalisant les implications de cette situation, je me suis précipité vers sa chambre. Mais j'ai trouvé la porte de sa salle de bain fermée à clé. J'ai commencé à la frapper. Hey, « Eh, mec, ça va ?» Pas de réponse. J'ai envisagé de défoncer la porte, mais j'ai décidé d'appeler la police avant de le faire. J'ai sorti mon téléphone, me préparant à composer le numéro, quand j'ai remarqué que j'avais un texto non lu. Et il venait de mon colocataire. Voici ce que le texto disait. « Hey, mec !» Je n'arrivais pas à dormir alors je suis allé chez ma copine. Je sais pas quand je reviendrai. Le texto a été envoyé il y a 2 heures. Je regarde la porte de la salle de bain, puis je redescends sur mon téléphone. Tout ce qui se passe n'est pas normal. Tout d'abord, mon colocataire m'envoie à peine des textos, et certainement jamais pour me dire qu'il sort. Deuxièmement, je sais pertinemment qu'il est célibataire et qu'il l'est depuis longtemps. Et troisièmement, qui était dans la douche à ce moment-là? J'ai essayé de l'appeler, il n'a pas répondu. Je lui ai envoyé quelques textos, mais pas de réponse. Je me suis approché de son bureau et j'ai vu que ses clés et son portefeuille étaient toujours à côté de son ordinateur portable. Ma tête commence à tourner à ce moment-là et je sors de là. Je retourne dans le salon et j'allume les lumières. Je fais les 100 pas, essayant de suivre l'intrigue tout en essayant d'ignorer la douche. Un bruit que je n'aurais jamais pu imaginer aussi épouvantable dans n'importe quel contexte. Quelque temps plus tard, j'entends quelque chose vibrer sur le comptoir de la cuisine. Je m'en approche et je constate qu'il s'agit d'un téléphone.
le téléphone de mon colocataire. La panique commence à s'installer et immédiatement, j'attrape mes clés et je sors de l'appartement en courant. Je me dirige vers le hall et emprunte les escaliers qui mènent au hall d'entrée. Mais même cela ne me semble pas assez loin et je me dirige donc vers le McDo qui se trouve de l'autre côté de la rue. Je m'assois là pendant un moment, envisageant d'appeler les flics, mais en me sentant trop nerveux pour le faire. Mais même s'il n'y a personne à l'intérieur de chez nous, l'endroit commence à me sembler étouffant et je décide de partir en retournant dans les rues désertes. Presque immédiatement, j'ai l'impression qu'on m'observe et je sens mon regard dériver vers le haut et vers l'appartement. Bientôt, je regarde mon balcon et je vois quelqu'un qui s'y tient. Une silhouette sombre se tenait complètement droite, raide, au point de ressembler presque à un mannequin. Mais ce n'en est pas un. Si je regarde de près, je peux voir la silhouette se balancer juste légèrement. Je me suis figé sur place, mon esprit ayant du mal à comprendre ou à accepter ce qu'il voyait. Ce n'est pas mon colocataire. Il est trop grand. En fait, il est trop grand pour quelqu'un que je connais. Sa tête frôle le bas du balcon au-dessus. J'ai eu beau essayer, je n'ai pu distinguer aucun détail. L'obscurité et la distance auraient pu suffire à expliquer cela. Mais il y avait quelque chose qui me poussait vers une autre conclusion, que cette chose ne possédait tout simplement aucun détail qui aurait pu être observé, que le seul élément de sa composition était celui de l'obscurité pure et simple. Bien sûr, mon instinct me poussait à m'en éloigner, mais la voix dans ma tête me disait que si j'essayais de courir, cette chose finirait par me suivre. Je suis donc retourné dans le McDo. Je me suis enfermé dans les toilettes pour appeler la police. J'ai dit à l'opérateur que quelqu'un s'était introduit chez moi, que j'étais sorti sans qu'il s'en aperçoive, mais qu'il était toujours là. C'était l'histoire qui représentait le plus fidèlement la situation sans me faire passer pour un fou. L'opérateur m'a dit qu'ils allaient envoyer quelqu'un et que je devais patienter. J'ai quitté les toilettes et j'ai attendu à la table la plus proche de la sortie jusqu'à ce que je puisse voir les lumières rouges et bleues se frayer un chemin dans l'obscurité. J'ai regardé le balcon et je l'ai trouvé vide, bien que la porte du salon soit restée ouverte. Ils m'ont posé un tas de questions auxquelles j'ai eu du mal à répondre. L'intrus est-il armé? Ai-je une idée de qui il peut s'agir? Quelles sont ses intentions? Je leur ai dit que je n'en savais rien, que je n'arrivais pas à comprendre, mais ils ont continué à me poser des questions. Bientôt, je leur criais pratiquement de monter là-haut et de vérifier par eux-mêmes, et je suppose que la terreur dans ma voix a suffi pour qu'ils commencent à prendre la chose au sérieux. Ils m'ont dit d'attendre près de l'entrée, et je les ai regardés entrer dans le bâtiment. Je suis resté là un long moment, de plus en plus angoissé à l'idée de ce qu'ils allaient me dire en descendant. Quelques minutes plus tard, le silence a été rompu par un seul coup de feu étouffé. Mon cœur a chuté dans mon estomac et j'ai continué à attendre là, ne sachant pas quoi faire d'autre. Les 20 minutes qui suivèrent n'étaient que du silence et les officiers n'étaient toujours pas descendus. Bientôt, j'en ai entendu d'autres s'approcher au loin. Avant même que je m'en rende compte, 4 autres voitures de police s'étaient arrêtées autour de moi et la scène avait sombré dans le chaos, les gens criant les uns sur les autres et dans leur radio, d'autres questions étant lancées dans ma direction, sans que je puisse répondre à aucune d'entre elles. Les quelques séquences suivantes sont pour la plupart floues, mais je me souviens que l'immeuble a été évacué, que les locataires effrayés et confus ont été conduits à l'extérieur, tandis que les officiers devenaient de plus en plus frénétiques. Je me souviens d'avoir entendu d'autres coups de feu, des cris et d'autres bruits auxquels il était difficile de donner un sens. Il y a eu quelques trous de mémoire après cela, mais je me souviens d'avoir été poussé à l'arrière d'une voiture de police. Après avoir été conduit au poste, j'ai été conduit dans l'une des salles d'interrogatoire où m'attendaient 2 hommes en costard-cravate. Ils ne se sont pas présentés et se sont immédiatement lancés dans une série de questions toutes plus bizarres les unes que les autres. Par quelle entreprise ton colocataire était-il employé? Quelle était la nature de son travail?
Combien de personnes différentes sont entrées dans ton appartement depuis que ton colocataire y a emménagé? As-tu déjà entendu des voix à l'intérieur de l'appartement entre minuit et 3h du matin? Des voix qui n'appartenaient pas à ton colocataire? As-tu déjà vu un cercle de personnes debout à l'extérieur de l'appartement entre minuit et 3h du matin? Des personnes qui étaient exceptionnellement grandes? Et l'une des questions les plus troublantes? As-tu déjà vu quelqu'un se tenir au pied de ton lit à ton réveil entre minuit et 3h du matin, pour disparaître quelques instants plus tard? Si oui, te souviens-tu de son apparence? Y a-t-il des traits distinctifs? Alors qu'il continuait à me sonder, mon esprit a commencé à évoquer certaines des choses étranges qui s'étaient produites après l'emménagement de mon colocataire, des choses que j'avais considérées comme le fruit de mon imagination, simplement parce que je n'avais pas d'autre explication. J'ai bien entendu les voix, qui venaient toujours de la chambre voisine de la mienne, où dormait mon colocataire. J'étais toujours très fatigué quand je les entendais. Mais je me souviens qu'il s'agissait d'une jeune femme ou d'un homme à la voix extrêmement grave. Je n'ai jamais pu distinguer aucun mot. Cela ressemblait toujours à du charabia. Et puis, il y a eu cette fois où je suis allé aux toilettes au milieu de la nuit, encore à moitié endormi, je n'ai pas pris la peine d'allumer la lumière en entrant. Mais alors que mes yeux commençaient à s'adapter à l'obscurité, j'aurais juré que quelqu'un était déjà assis sur les toilettes. Quelqu'un d'extrêmement grand. Bien sûr, quand j'ai allumé la lumière, il n'y avait rien. À l'époque, il était facile de mettre cela sur le compte de la somnolence nocturne, et je n'y ai jamais vraiment réfléchi depuis. Après avoir fait de mon mieux pour leur donner des informations utiles, les costards ont passé quelques bonnes minutes à prendre des notes sur leur téléphone. Une fois qu'ils ont eu terminé, ils se sont rapidement assis, m'ont dit qu'ils resteraient en contact avant de quitter la pièce. Un flic est entré quelques minutes plus tard et m'a dit que puisque je ne pouvais pas retourner à l'appartement, ils allaient m'installer dans un hôtel voisin jusqu'à ce qu'ils puissent maîtriser la situation, selon leur dire, et que je devais rester sur place jusqu'à ce qu'ils me passent un coup de fil. Je leur ai demandé qu'est-ce qui s'était passé, et je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils avaient trouvé là-haut. Les flics m'ont fixé pendant un long moment, non pas comme s'ils étaient plongés dans leurs pensées, mais comme s'ils éprouvaient une profonde aversion pour ce qu'ils envisageaient de me dire. Finalement, un des policiers a secoué la tête, et il m'a dit qu'il ne savait pas, qu'il ne savait vraiment pas. J'ai acquiescé. J'ai essayé de sourire, même si je ne suis pas sûr que ça ne s'est pas très bien passé. Nous sommes le lendemain et je suis maintenant à l'hôtel. Bien sûr, je n'ai pas pu dormir. Je n'ai pas vraiment pu manger non plus. L'officier de police ne m'a pas encore appelé. Quand j'essaie de chercher des informations sur l'évacuation sur Internet, tout ce que je trouve, ce sont des articles qui prétendent que c'était à cause d'un incendie. Un putain d'incendie. Je me suis finalement endormi et je viens de me réveiller. Il est maintenant 1h du matin et je dois vous dire que... Attendez. Attendez, j'entends quelque chose. J'entends la douche.